This is a race. Il y a forcément d'autres personnes qui vont arriver dans ta vie qui vont t'apporter autant de bonheur. Hi. I don't usually look like this, but this was for my grandma costume for Halloween. Halloween, je pense que ça se voit, je sors pas dans la rue comme ça. J'ai programmé avec un groupe d'amis un petit voyage à Miami. Way back a year ago. Midi 25, je suis trempée. Petite histoire, je pensais que j'avais un rendez-vous ce matin à midi, qui n'est pas vraiment la matinée, mais je pensais que j'avais un rendez-vous ce matin à midi, et en fait pas du tout, c'est mercredi prochain. Et en fait la date limite pour prendre le rendez-vous c'était aujourd'hui midi, mais j'ai tout confondu. Du coup j'ai été jusqu'au bâtiment où j'étais censée avoir rendez-vous, non. Pour rien. Et du coup, je me suis pris la pluie de plein fouet. Je suis arrivée là-bas, je me suis rendu compte de mon erreur. Donc j'ai dû refaire le chemin inverse. Avec une pluie qui te fouette le visage. Donc voilà, les joies. C'est un petit temps, ça me rappelle un peu la France, quoi, un peu la maison. Donc voilà, c'était la petite anecdote de la matinée. Je suis épuisée les midis, je n'ai toujours rien fait, si ce n'est aller à un rendez-vous qui n'avait pas lieu. Aussi, vous voyez, cette semaine, c'est la semaine du homecoming, donc il y a plein d'événements et tout sur le campus, c'est grave cool. Il y a beaucoup de matchs sportifs, il y avait un bal, il y a eu un concert hier soir, bref, c'était trop cool. Et aujourd'hui, c'était prévu tout un carnaval, un défilé, tout ça, et en fait, il pleut. Du coup, ils ont dû annuler et je suis trop dégoûtée parce que c'est tellement typique d'ici que je voulais le voir, quoi. Mais du coup, c'est annulé, c'est même pas déplacé, c'est annulé complètement. Donc bon, et demain, pour finir la semaine du homecoming, du coup, il y a le fameux match de football américain du homecoming. J'espère qu'il ne sera pas annulé parce que j'aime trop les matchs de foot américain. Je veux y aller. Thank you.
Pour une nouvelle semaine de cours. Je viens de finir mon premier cours de la journée. J'en ai un deuxième, c'est un oral. Il me reste à peu près 5 semaines de cours, donc j'ai beaucoup de devoirs et de contrôles qui arrivent, mais j'ai également beaucoup de choses en dehors des cours, donc c'est cool. Donc je pense que ça va passer très vite et en même temps ça va être très lent parce que c'est la fin. Donc bref, je n'ai toujours pas mes billets de retour. Je ne sais plus où est-ce que je vous ai laissé au niveau des vidéos, mais j'ai une petite péripétie avec ma banque. Je n'arrive pas à acheter mes billets pour rentrer à Paris. Je suis censée rentrer d'ici 5 semaines, donc les prix sont déjà assez élevés. Mais je ne voulais pas prendre de billets aller-retour directement parce que je ne savais pas si j'allais rester jusqu'au bout ou quoi. Donc bon, bref, les prix sont déjà assez élevés et ma banque ne veut pas me laisser acheter des billets d'avion. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut me laisser entrer au pays? Voilà. Sinon, pas grand-chose. Écoutez, vous l'avez vu, j'ai été au match de Homecoming Game. On a perdu. Voilà, on a perdu. J'étais un peu triste parce qu'on commençait bien. Et on était si près de gagner. Mais finalement, on a perdu. Il faisait extrêmement froid aussi. Hein. Première fois que j'ai expérimenté le froid en Floride. Enfin, froid ici, mais il faisait à peu près 13 degrés, ce qui n'est pas froid en novembre. Mais moi, j'ai pas des vêtements adaptés aux températures de 13 degrés. Moi, j'ai des shorts, des gilets, des t-shirts, mais j'ai pas des manteaux, des pulls, des... Sinon, voilà, écoutez, c'est un week-end assez tranquille. J'ai été aussi à l'église hier matin. Je n'ai pas filmé parce que... Je sais pas, c'est un peu chelou de filmer dans une église. Mais c'était intéressant. Parce que ça fait partie aussi de la culture ici. Donc c'était... voilà, il y a eu du chant, il y a eu des prières. Enfin, tout ce qu'on trouve dans une église, voilà. Mais voilà, ouais, c'était intéressant. Retour au devoir. Hein. Au devoir, j'ai pas mal de choses à faire parce que je ne suis pas là à la fin de la semaine. Donc il faut que je m'avance pour la semaine suivante. Donc là, il me reste 3 jours. Je vais tout donner pour être tranquille du jeudi au dimanche. Et voilà. Et après quelques jours aussi de pluie, nous avons enfin un grand soleil. Regardez-moi ça. Ce ciel bleu magnifique en plein mois de novembre. Bon, par contre, du coup, vous commencez à connaître ma vue de ma chambre. Elle est pas top, hein. Mais avec le soleil, moi, ça passe. Donc voilà. Vous voyez, là, il faut que je vous explique parce que c'est hilarant. Mais j'avais classe ce matin avec mon prof. C'était en tourisme, tout ça. Et du coup, il nous a dit « Have fun today ». Et en gros, c'est parce que c'est son anniversaire. Et du coup, il nous a demandé... d'aller nous acheter une boisson et de lui envoyer par message. Du coup, j'ai été chercher ma boisson au Starbucks
Mais genre, à quel moment on a ce genre de devoir? Pas trop beau ça comme note. C'était mon examen que je devais passer aujourd'hui, que j'ai passé, et du coup c'était un oral en ligne. Et oh mon Dieu, je suis si contente. Salut, on est le mercredi 10 novembre, il est 7h04, j'ai dormi 4h, voilà, c'est trop peu, mais j'ai fait une insomnie, je sais pas ce qui s'est passé, j'avais un devoir, et j'ai un devoir que je dois finir ce soir, ça me stresse, et du coup je sais même pas pourquoi je parle pas fort, parce qu'il y a littéralement personne. Donc bref, ça m'a stressée et du coup j'arrivais pas à dormir et du coup je me suis dit bah quitte à pas dormir, autant le faire quoi. Donc j'ai dormi 4 heures quoi. Je vous explique, il est 19h19, mercredi 10 novembre. Je sors de cours, on était deux dans le cours, deux, et il n'y a personne. Voilà, ça fait un peu peur. Ok, pour le reste de la vidéo, j'ai fait très peu de plans face caméra. Mais ce que vous devez retenir, c'est qu'on est parti 4 jours avec des potes à Miami. Et ça a donné ça. So where are we? We're at the Lincoln Street Mall. Where is it? It's in Miami Beach, South Miami exactly. Beach. Yeah. Yeah. So let's go! Go! The beach. I'm sorry, baby. You spend the last minute. You spend the last minute. Just say, "Oh my God." Thank you.
Bonsoir, j'espère que vous m'entendez, il y a un peu de bruit. Vous avez une vue en contre-plongée incroyable. C'était juste pour vous dire qu'on était à South Beach, voilà. J'ai l'air un peu endormie, c'est parce que je viens de me réveiller, puisque j'ai une habitude qui est de dormir sur la plage. Mais voilà, du coup je vous fais pas trop de vidéos en face cam comme ça, parce que ben, on voit plein de choses, on fait plein de choses, on mange plein de choses. Et du coup, ben, on s'amuse, quoi, comme des petits fous. Mais du coup, voilà. Incredible. We're so beautiful.
Du matin, je viens de rentrer du coup du voyage de Miami. Je n'ai pas eu beaucoup le temps de vous parler pendant ce voyage parce que on enchaînait, parce qu'il y avait toujours quelqu'un, parce que voilà quoi. Bref, là j'ai plus beaucoup de stockage non plus. Il me reste 3 minutes d'enregistrement, donc bref. Et puis je suis crevée. Il faut que j'aille travailler parce que j'ai un devoir à rendre avant 9h. Il est 2h. Bref, du coup, je vous reparle de Miami, tout ça, une prochaine fois, quand j'aurai un peu plus de stockage, et un peu plus de temps, et un peu plus d'énergie. Voilà!